Pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie à essayer de vous faire factoriser? La question, la réponse est assez simple. Si je vous demande de considérer l'équation, disons, moins 17x carré plus 3x puissance 7 plus x moins 5 est égal à 0, et que je vous demande de trouver une solution de cette équation, c'est-à-dire de trouver une valeur de x qui, lorsque je substitue x partout par cette valeur, j'obtiens une égalité qui est vraie, c'est-à-dire cette somme-là qui vaut 0. Eh bien, si vous essayez de répondre à cette question, hein, trouver une solution, c'est particulièrement difficile. Maintenant, si je vous demandais de trouver toutes les solutions, c'est-à-dire, si je vous demandais de résoudre cette équation, eh ben bien sûr, à partir du moment où vous n'allez pas en trouver une, vous aurez encore plus de peine à trouver toutes les éventuelles solutions de cette équation. Alors, cette équation-ci, c'est bien sûr une équation où l'ordre des opérations amène à considérer que j'ai ici trois expressions. Alors, j'ai tenu compte ici de la parenthèse que j'avais choisi d'indiquer, qui sont séparées ici par des signes plus. Donc, cette expression, pardon, est une somme. Supposons maintenant qu'on considère les mêmes expressions. Ici, ce seraient les termes de cette somme. Donc, je reprends les mêmes expressions. Mais cette fois-ci, je les sépare par des multiplications. Donc je considère à nouveau ici ces éléments, ces mêmes expressions, et je me dis que je me pose la question de savoir quand est-ce que cette fois-ci, non plus la somme, mais le produit, puisqu'il s'agit maintenant d'un produit, les expressions sont séparées par des symboles de multiplication. Donc, ça s'appelle des facteurs. Ici, j'avais trois termes qui fabriquaient une somme. Ici, j'ai trois facteurs qui fabriquent un produit. Et si je demande maintenant, mais quelles sont les valeurs de x pour lesquelles, lorsque je substitue, j'obtiens ce produit qui vaut 0, ben ici, c'est très différent. Parce que pour que le produit de trois nombres donne 0, eh bien, c'est soit le premier nombre qui donne 0, soit le deuxième nombre qui donne 0, soit le troisième nombre qui donne 0. En fait, ceci, c'est quelque chose d'assez puissant en mathématiques que tout le monde accepte parce que c'est très intuitif, mais on peut vouloir le démontrer en mathématiques. C'est une propriété assez forte des nombres réels en mathématiques. Et nous, on appelle ça en général le théorème du produit nul. C'est-à-dire un théorème qui vous dit que pour que un produit soit nul, c'est équivalent à ce que chacun de ses facteurs l'un ou moins de ces facteurs soit nul. C'est la seule façon d'obtenir un résultat de produit nul, c'est que l'un des facteurs soit nul. Alors que pour une somme, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez arriver à faire 0 de plein de façons différentes. Donc on contrôle très mal les sommes nulles, alors qu'on contrôle très bien les produits nuls. Pour terminer l'exercice, quand est-ce que moins 17 fois x puissance 12 égale 0? Ben ici, on va se convaincre assez facilement qu'il suffit que x soit égal à 0, moins 3 fois un nombre à la puissance 7 donne 0, ce sera seulement le cas quand x vaut 0, et x moins 5 est égal à 0 quand x est égal à 5. Donc finalement, les solutions de cette équation-là seraient 0, 5 et 7. Donc une équation qui paraissait très compliquée par rapport à celle-ci, qu'est-ce qui a changé? Ici, des multiplications, ici des sommes, le fait d'avoir une forme factorisée permet, lorsque bien sûr on la compare à 1 égale 0, lorsqu'on cherche à savoir quand cette forme factorisée est égale à 0, alors on obtient un problème beaucoup plus facile à résoudre. Donc si on est capable, pour une expression donnée, de la transformer pour la rendre factorisée, alors rechercher les zéros de cette expression sera beaucoup plus facile. Il est évident quand même, faites bien attention d'avoir compris ça, que si je considérais moins 17x12 fois 3x7 fois x moins 5, le tout égale 1, ben là j'aurai des gros problèmes parce que le théorème du produit nul ne marche bien sûr que quand il y a un 0 ici. Donc on ne serait pas beaucoup plus avancé. L'intérêt de la forme factorisée, c'est vraiment lorsque cette expression doit être comparée à 0. C'est la raison principale pour laquelle
On vous demande de factoriser, il y en a d'autres, des arguments de contrôle du signe qui sont un peu essentiellement de nature cousine, on va dire. Et puis on pourrait ensuite évidemment se poser la question, quel intérêt y a-t-il à considérer des équations du type égale 0? Bien, pour ceux qui ont déjà vu ce type de notion, ça revient à chercher ce qu'on appelle les zéros d'une fonction. Et les zéros d'une fonction reviennent à se poser, alors je peux quand même le faire dans un petit coin ici, pour ceux qui arrivent à suivre cet argument parce qu'ils ont déjà entendu parler de ces notions, hein. Si je considère un repère ici orthonormé et que dans ce repère, je représente graphiquement une fonction, ce que nous appelons les zéros de la fonction, ce sont les valeurs de x ici, axe des x, axe des y, ou f de x, ici représentation graphique d'une fonction f. Eh bien, les valeurs de x pour lesquelles la fonction s'annule reviennent à résoudre l'équation f de x égale 0, donc une équation du type égale 0. Et pourquoi est-il intéressant de connaître ces valeurs? Bah, d'une part, selon le modèle que la fonction modélise, justement, ça donne des informations intéressantes sur le modèle, les moments donnés où ce qu'on mesure par rapport à la variable x s'annule. Et puis, réciproquement, lorsqu'on ne connaît pas la représentation graphique d'une fonction, mais qu'on souhaite l'obtenir, connaître ces points d'intersection ici avec l'axe des x est un bon point de départ pour essayer d'arriver à représenter graphiquement cette fonction. Voilà pour principalement cet argument qui consiste à essayer d'expliquer pourquoi les formes factorisées sont particulièrement utiles en mathématiques.